La nouvelle actualisation de CIPE 2021 apporte de nouvelles fonctionnalités pour faciliter encore plus la modélisation BIM de vos projets. Nous vous les faisons découvrir. Désormais, quand un élément est sélectionné, en plus d'être mis en surbrillance dans la zone de travail, ses poignées sont affichées afin que l'utilisateur puisse modifier sa position. L'utilisation des sélections multiples est simplifiée. Un ou plusieurs éléments du modèle peuvent donc être ajoutés à la sélection avec le bouton gauche de la souris, en maintenant la touche CTRL enfoncée. Il est possible de marquer un par un les éléments à ajouter ou utiliser un cadre de sélection pour ajouter plusieurs objets simultanément. Et peu importe si vous avez sélectionné quelque chose que vous ne souhaitiez pas, il est possible de le désélectionner avec la touche Escape ou le bouton droit de la souris. Si vous voulez seulement supprimer quelques éléments de la sélection multiple, les marquer un par un suffit en maintenant la touche Shift enfoncée. Les objets peuvent bien évidemment être supprimés simultanément avec le cadre de sélection. Un simple double clic sur un élément éditable permet dorénavant à la fenêtre d'édition associée de s'afficher directement. Il suffit désormais d'appuyer sur la touche Supr pour supprimer un élément du modèle. Copier des éléments n'a jamais été aussi simple. Il suffit juste de cliquer sur CTRL-C. La position du curseur au moment de l'action détermine le point de base de la copie. Il faut faire de même pour déplacer un élément sélectionné, mais avec la combinaison de touches CTRL-X. En appuyant dessus, la position du curseur détermine à nouveau le point de base du déplacement. Lorsque plusieurs éléments sont trop proches les uns des autres ou se chevauchent, cela rend la modélisation difficile, n'est-ce pas? Désormais, tout est plus simple. Utilisez la touche Tab pour passer d'un élément à l'autre parmi les éléments qui sont proches du curseur. L'élément sélectionné est mis en surbrillance pour l'identifier plus facilement. Et pour déplacer la sélection dans le sens inverse, appuyez sur la combinaison de touches Shift-Tab. Comme vous pouvez le voir, quelque chose de similaire se produit lorsque plusieurs des accrochages aux objets actifs convergent vers une position proche de celle du curseur. Utilisez la touche Tab pour passer d'un accrochage à l'autre. Alors, qu'attendez-vous pour profiter de toutes ces nouvelles fonctionnalités? Actualisez votre logiciel à la dernière version dès maintenant!